Le lit, c'est une succession d'images. À chaque fois qu'on tourne la page, on peut s'évader, se créer un passage pour nous permettre de rêver. On est plongé dans l'histoire, on en oublie nos idées noires. Plus on avance dans l'aventure, plus on est passionné par la lecture. Que ce soit un livre pour enfants ou pour les plus grands, il y en a pour tous les goûts et on peut lire n'importe où. Dans un espace public ou privé, sur un banc, dans un bus ou sur le canapé, on peut se plonger dans l'aventure à toute heure de la journée, quitter notre terre pour un monde imaginaire. Savoir lire est un trésor qu'il faut cultiver, arroser pour enrichir au fil des années, mais surtout ne pas enterrer. Gardons une trace de notre passé, ne laissons pas les fleurs se faner, à notre tour des jardiniers. Dans l'océan des romans, on peut s'y baigner, se laisser emporter par nos héros préférés, Harry Potter, Cendrillon ou encore Chaboté. Ils nous ont tous fait rêver. On n'a pas besoin de permis pour lire ce qu'on a envie. Partir vers d'autres univers, l'univers de la magie ou celui de la fantaisie. Partir autre part pour connaître un autre art, l'art d'imagination, celui de la création. Il n'y a pas de frontières, le livre est roi et tout le monde y a le droit. Grâce à la bibliothèque, chacun peut lire des livres dans sa tête. Les livres, ça s'achète, ça se prête, ça se vend et ça se prend. Aujourd'hui, c'est décidé, on relit un de nos livres préférés. Savoir lire est un trésor qu'il faut cultiver, arroser pour enrichir au fil des années, mais surtout ne pas enterrer. Gardons une trace de notre passé, ne laissons pas les fleurs se faner, à notre tour d'être jardiniers. Savoir lire est un trésor qu'il faut cultiver, arroser pour enrichir au fil des années, mais surtout ne pas enterrer. Gardons une trace de notre passé, ne laissons pas les fleurs se faner, à notre tour d'être jardiniers.